pourquoi je suis rentré dans le BDS de l'IUT. Je souhaitais continuer à faire du sport avec les études, parce que justement, j'étais pas de Strasbourg de base, et pour moi, c'était l'occasion de continuer de faire du basket. Sortir un peu la tête des études de temps en temps et taper le ballon, c'est important, je trouve, pour la vie d'un étudiant. C'est vrai que faire du sport avec les études, ça aide vraiment à se libérer l'esprit, à se vider la tête et à penser à autre chose. Le BDS est super accessible à tout le monde. On est là pour jouer ensemble et passer des bons moments, et voilà, c'est le plus important. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir deux équipes en basket, ce qui a permis de faire des groupes de niveau. Je trouve ça cool de mélanger des joueuses débutantes et des joueuses confirmées ou joueurs, parce que ça permet aux débutants de progresser plus vite. Par exemple, nous, dans notre équipe de foot, on avait des joueuses débutantes en début de saison qui sont devenues des vraies machines en fin de saison. Plus il y a de joueurs, plus on aura l'occasion de faire des groupes de niveau et que chacun se sente le mieux à sa place. Le BDS, en trois mots pour moi, c'est sport, motivation, rencontre, souvenir, plaisir et amusement. Alors dans ma vie d'étudiant, je trouve que ça apporte quand même un plus. De rencontrer de nouvelles personnes aussi au sein de l'UIT. De relâcher la pression pendant les semaines de cours, de pouvoir voir ses amis, de pouvoir rencontrer d'autres personnes aussi qui ne sont pas dans les mêmes filières que nous. Moi, mon plus beau souvenir avec le BDS, c'est la participation à la Coupe de France des IUT, parce que c'est un moment où toutes les équipes se sont rapprochées, on a appris à se connaître et on s'est tous encouragés, et ça, c'était vraiment beau. Ce serait la Coupe de France des IUT. Je dirais même qu'il y en a deux. C'est nos deux titres de champion de France des IUT avec l'équipe de basket. J'ai d'autres souvenirs vraiment cool. Par exemple, quand on allait encourager les mecs à leur match de foot et que les mecs venaient nous encourager. Enfin, c'était vraiment toujours super drôle, bonne ambiance. Enfin, c'était trop bien, le kiff. Donc on a eu la chance de partir à Troyes pour faire un tournoi contre plein d'IUT de France. Ça a vraiment été une belle occasion donc, de se croiser entre toutes les équipes. Et ça nous permet vraiment de parler à plein de monde. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir se confronter à d'autres équipes, d'autres IUT. Et l'ambiance générale était vraiment très bonne. Donc voilà, ça reste un de mes meilleurs souvenirs en tant que licencié. Et c'est vraiment des moments où, sur ces championnats de France des IUT, on est toute la journée à se donner à fond justement pour les couleurs de l'IUT, dans vraiment une bonne ambiance et la compétition. Je re-signe forcément l'an prochain au BDS. L'année prochaine, je compte re-signer au BDS parce que je me suis fait pas mal d'amis dans mon équipe, des personnes avec qui j'aimerais rejouer. L'ambiance il est très bon aussi. Ça serait un plaisir d'y être pour une troisième année, de retrouver les mêmes têtes, de continuer à construire cette équipe. Bien sûr que je re-signerai l'an prochain pour toutes les raisons que j'ai pu citer. Je suis plus là l'année prochaine, mais si je devais re-signer, je le ferais avec plaisir. Je vais re-signer au BDS l'année prochaine parce que j'ai envie de faire le triplé avec notre équipe de basket. Et en plus, avec mon équipe, on a la fierté d'avoir fondé la première équipe de foot féminine à l'IUT. Donc on aimerait vraiment la faire perpétuer. Et pour ça, on compte sur vous pour signer l'an prochain. Oh,